Perretto. Allez, c'est parti. Allez, oh oui, allez. Oh, but. Oh, quel, oh, but. Quel but. But de Bruno Ngoti sur ce coup franc au ras du piquet. Paris qui a du cœur en ce moment dans ce match. Fait, oh, c'est bien fait avec le ballon qui revient dans les pieds. Et l'égalisation de la part de Jérémy Clément. Regardez le travail encore une fois de Sylvain Armand au deuxième poteau. La remise, elle est chanceuse parce qu'elle est touchée par la tête de Tiené. Ou jamais dans l'axe. Attention dans l'axe. Attention dans l'axe. But. Sur cette erreur. Jamais dans Strasbourgeoise. En Robert qui aura marqué lors des 5 derniers matchs de la saison. Voici son dernier exploit. Encore un coup franc direct. Et avec 9 buts, la place de deuxième buteur parisien de la saison devant le Roi et Madar. Et bien sûr derrière Christian. Christian, justement, muet depuis Sedan le 11 mars et qui va lui aussi réussir sa sortie en inscrivant un but magnifique, son 16e de la saison. Un slalom ponctué par une frappe de l'extérieur du pied, Christian termine 4e buteur du championnat. Le PSG prend l'avantage et conclura finalement sa saison sur un 2 partout, 16 victoires, 10 nuls et 8 défaites. Et à l'arrivée, une très belle 2e place, loin de la 6e annoncée et un retour. هدف ثاني على الطريقة البرازيلية ثلاثي رائع وبارع ماكسويل وأليكس هاي باي شرشي زلاتان وي 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 Le fameux 38e but que tout le monde attend ici depuis le début sur une offrande de Pastore